Hello guys, moi c'est Mike Ostan. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu sur comment je fais 200 dollars l'heure avec juste un petit compte de 300 dollars dans mon trading. Allez, let's go! Donc là, je commence par vous montrer les captures du compte sur lequel je suis en train de trader. Là, ça va être une vidéo en live où je vous montre comment j'ai pris les positions là. Donc là, avec cette capture, vous voyez, j'ai commencé avec 300 dollars et maintenant je suis à 400. Ce qui veut dire que là, dans quelques minutes, après le dépôt, j'ai trouvé des opportunités. Après que j'ai vu les confirmations de ces opportunités-là que j'avais, j'ai pris position. Et là, je viens de gagner 100 dollars en quelques minutes sur ces opportunités-là. Dans moins de 30 minutes, j'ai gagné les 100 dollars. Et après quelques minutes encore, vous voyez l'autre capture ici, le compte a passé de 300 à 600 dollars. 300 à 600 dollars pour 10, c'est une heure comme ça et quelques minutes ou bien ça ne totalise même pas une heure. J'ai gagné 300 dollars sur ces opportunités-là. Mais je tiens à préciser que sur ce compte, c'est un compte kamikaze. Ceux qui suivent mes formations vont savoir ce que c'est un compte kamikaze ou bien il y a des vidéos où j'ai déjà expliqué ici même sur ma chaîne YouTube. Comment gérer un compte kamikaze, c'est quoi un compte kamikaze, comment on peut trader et pouvoir rentabiliser son compte kamikaze. Si vous voulez voir la vidéo, je l'explique. Je vais mettre le lien en bas de cette vidéo dans la description et vous allez pouvoir suivre la vidéo là. Donc ici, comme je viens de le dire, c'est un compte kamikaze. Maintenant, là, vous voyez, je vous montre comment le compte est tenté de se porter. Là, on est maintenant à 686 dollars. Avec les 300 dollars qui sont en train de tourner en gain maintenant. Là, vous voyez bel et bien que c'est un compte réel. C'est bel et bien un compte réel. Je ne vais pas vous expliquer, vous montrer comment je le fais. Juste sur un compte démo, je vous montre exactement comment je le fais sur un compte réel. Là, on a les trades qui sont en train de tourner. Ceux qui suivent aussi mes formations, bien ceux qui me suivent il y a depuis, vont savoir exactement pourquoi j'ai pris position là sur ces marchés. Il y en a des traders qui vont dire il faut pas trader les petites bougies, il faut juste trader les spikes sur les booms et les crashs. Mais avec ma stratégie que je partage avec mes étudiants, je vous montre exactement comment vous tradez les petites bougies et comment trader les spikes. Et pour ceux qui disent qu'il ne faut pas trader les petites bougies, là vous voyez que je suis en train de trader sur Crash 300 avec des petites bougies. Là vous voyez qu'il y a beaucoup d'opposition, c'est vraiment un compte kamikaze. Et là sur Bomi, là aussi, je suis en train de trader les petites bougies. Et maintenant je suis à 700 dollars. Là j'ai commencé à trader sur ce compte il y a une heure et quelques minutes. J'ai commencé 8 heures. Maintenant comme vous le voyez en haut, on est 9h38. Et je suis à 700 dollars, donc 400 dollars de gain. C'est énorme. 400 dollars de gain dans 1h30 minutes. Et là, je vais continuer à gérer ce compte. Comme j'ai dit, c'est un compte kamikaze. Donc, ça demande vraiment une gestion poussée pour pouvoir faire ça. Ça demande d'être un bon gestionnaire. C'est que j'ai travaillé durant toutes ces années que je trade. J'ai travaillé vraiment sur ma gestion et pour le faire. Il faut avoir une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie, tout ça pour savoir vraiment comment trouver des opportunités, comment entrer sur ces opportunités-là, comment vous allez gérer les positions prises sur ces opportunités. Si vous savez comment gérer la position, là, c'est beaucoup de gestion parce que là, c'est ce que je suis en train de faire. Ici, je vois sur Boomil, je peux ajouter déjà des positions si possible. Ok, je vais ajouter une autre position avec un lot de 0,5. Et comme ça, c'est de cette façon que je vais gérer mes comptes kamikaze. Et là, je vais couper des positions. Comme ça, j'augmente le compte. Là, je viens de passer maintenant à 300, 400 qui sont déjà encaissés et 700 dollars qui est en train de tourner. Donc là, comme ça, j'ajoute des positions. Je coupe des positions selon la façon dont je vois le marché est en train d'avancer. Et dans mes formations, comment on gère un compte conservatif et un compte kamikaze. Parce que là, le compte conservatif, c'est le compte où on va trader sans prendre beaucoup de risques. On va trader petit à petit. Là, on voit, ça vient de spiker, mais il n'y a pas de souci. Déjà, comme ça spike là, ça me donne une opportunité de pouvoir ajouter des positions pour pouvoir après bien descendre avec le marché. Donc ici, c'est de cette façon que je vais gérer mes positions. Donc ça demande vraiment une bonne gestion, être confiant.
Par exemple, ce que le prêtre est en train de faire là, vous voyez, il a spiké de 700, il est maintenant à 610. Faut dire, ça met beaucoup la pression. Et si le trader ne sait pas gérer ses émotions, ne sait pas gérer le stress, ça va être difficile pour lui de bien gérer un compte kamikaze. Mais pour ceux qui suivent dans la forme, ceux qui suivent mes formations, j'explique exactement comment gérer ses comptes et comment travailler pour améliorer sa façon de gérer les trades, pour mettre la pression et pouvoir trader aisément sur le compte kamikaze. Donc là, comme ça, je vais continuer à gérer le compte là, comme ça, jusqu'à atteindre 1 000 $. Je pense dans la vidéo même, je vais mettre une capture après que je vais atteindre 1 000 $ sur ce compte-là même. Et vous allez voir combien de temps ça a pris pour atteindre cet objectif-là. Donc là, vous voyez, là, je vous montre ces opportunités. Et faut savoir que les opportunités sur lesquelles on trade sur un compte kamikaze, ce n'est pas n'importe quelle opportunité. C'est des opportunités qu'on va attendre. Là, je vais ajouter une position sur Crash 300, vu que il vient de spiker aussi. Je prends avec un lot de 0.3 de position si possible. Là, si on n'accepte pas une position, je vais couper ici et je vais retourner là-bas, ajouter une autre position et une autre position. Comme ça, j'augmente les lots. Et là, si je vois, comme là, je vois, il y a beaucoup de probabilités que le prix va continuer à monter. Et pour le boom, il y a beaucoup de probabilités que le prix va continuer à descendre. Comme ça me montre que je peux bien continuer à ajouter des positions et suivre ce sens-là. Et comme ça, gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez le fond de la chose. Donc, je trouve des bonnes opportunités où je vois qu'il y a beaucoup de probabilités que le prix va partir dans mon sens. Et comme ça, je profite de cette opportunité à fond. À fond. Il ne faut pas, là, je vais prendre une position de 0.2 en disant je suis sur un compte de 300 et prendre une position de 0.2 ou 0.4 comme ça. Non. Ce qui va faire que là, je vais gagner 10 $ ou 20 $ comme ça l'heure. Mais là, je profite à fond sur un compte kamikaze. Et qui dit un compte kamikaze, ça veut dire que c'est un compte où, si on dépose l'argent, on a déjà accepté de perdre cet argent-là. Il ne faut pas emprunter de l'argent ou l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, déposer son compte kamikaze parce que là, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Là, on voit le compte est en train de revenir à 640. On va attendre jusqu'à à le faire monter à 1000, à 1 000 $. Là, vous voyez bel et bien que c'est un compte réel. C'est bel et bien un compte réel. Si vous savez déjà comment regarder les comptes réels, vous allez le voir directement là. Donc ici, il faut bien trouver des bonnes opportunités. Là, vous voyez que je n'ai pas rentré sur ces trades au hasard. Déjà ici, il y avait ce sommet avec d'autres informations que j'ai regardées sur la structure du marché, sur la tendance passée qui m'ont permis de voir s'il y a possibilité de suivre cette hausse. Déjà, il y a sur d'autres comptes des positions que j'ai à ce niveau. Sur d'autres comptes là, j'ai des positions à ce niveau où j'ai pris position là-bas en bas. Vu que c'était un niveau d'opportunité, si je montre comme ça, ils savent ma stratégie, vont directement voir pourquoi je dis que j'ai des positions à ce niveau. Donc là, ici aussi, j'ai ce sommet. Et ce qui veut dire que le prix avait cassé, venir retester avec ces autres confirmations que j'ai regardées. Ça montrait qu'il y avait beaucoup de volume pour les acheteurs afin que le prix puisse monter. Et là, vous voyez, j'ai bien dosé les trades. Je vous montre en M1. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positions là sur Crash 300. Et ceux qui savent déjà, ceux qui trade Crash 300, ils savent que c'est un marché très très volatile, n'est-ce pas? C'est un marché très volatile. Et donc pour pouvoir prendre ses positions, ça demande vraiment de bien gérer ses émotions, de ne pas avoir peur des trades et tout, des choses comme ça. J'explique, là je montre pourquoi j'ai pris cette position-là. C'est parce que là, le prix m'a donné cette opportunité. Et ici, sur Crash, sur Boom 1000, j'avais ça, sorte de drapeau comme ça avec une forte probabilité qu'il va y avoir une continuation de la tendance. Attends, là je vais ajouter une position sur Boom 1000, une position de 0.5 encore. Comme ça je coupe une autre là-bas et comme ça je continue à faire grossir le compte. Comme ça là on est en train de trader, on est maintenant à 444.
On avance comme ça. C'est comme ça que je gère le compte. Je continue à monter petit à petit, petit à petit. Je coupe, j'ajoute, je coupe, j'ajoute. Tant que je vois qu'il y a encore de fortes probabilités. Donc là, il faut être vraiment sûr de votre stratégie. Donc là, l'opportunité que j'ai ici, il y a la ligne de tendance que j'avais là. Et j'ai une cassure. Depuis déjà ce niveau, j'ai d'autres positions sur mes gros comptes, comme je l'ai dit là, sur Crash 300, là où je suis à plus de quelque chose, sur plus de 5 000 $ de gains sur le compte comme ça. Et ici, les positions là, des positions ici, là aussi, on voit que le prix, pour ceux qui savent comment je trade, ils vont comprendre directement pourquoi là j'ai pris position, on le voit directement. Et là, pourquoi j'ai pris mes positions à ce niveau? C'est parce que j'ai une cassure de la ligne de tendance ici, de la ligne de tendance, bon, une ligne qui tenait ce drapeau, comme j'étais en train de donner l'exemple. Et là, il y a eu ce que je vais appeler une consolidation. Pour moi, ceux qui suivent mes vidéos sur les stratégies que j'explique vont comprendre ce que je suis en train de dire là directement. Et là, il y a eu cassure aussi retest, comme là aussi cassure retest avec d'autres informations, parce que je ne vais pas juste me baser sur un support comme ça cassé ou bien une ligne de tendance. Je vais aussi essayer de comprendre le marché, voir le volume du marché, voir la structure, c'est que s'il y a beaucoup plus de vendeurs ou s'il y a beaucoup plus d'acheteurs, et comme ça, je vais savoir le sens que je vais suivre. Mais ça ne m'empêche pas de trader les spikes ou les petites bougies. S'il y a beaucoup d'acheteurs, je vais trader les spikes sur les booms. S'il y a beaucoup de vendeurs, je vais trader les petites bougies, comme je suis en train de le faire. Là, comme ça, j'ai pris l'opportunité alors à ce niveau. Et donc, comme je disais, ces opportunités, on ne les repère pas de n'importe comment. Vous devez avoir une stratégie qui vous permet de pouvoir avoir des opportunités à forte probabilité d'aller dans votre sens, n'est-ce pas? Donc, là, je vais ajouter une autre position sur Crash 300. Comme ça, je coupe une position ici de 0,3. Comme ça, on est à 460. Et là, j'ajoute une position de 0,3. Encore, je vais l'ajouter deux fois. Parfait. Donc là, je vois qu'il y a de fortes probabilités que le prix va monter. Donc, je profite rapidement de ces pips pour gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Là, on voit que le compte vient de retourner à 700. Je venais de perdre 100 $ dans la vidéo même. Pour celui qui ne sait pas gérer ses émotions ou bien qui n'est pas sûr de sa stratégie, il allait couper directement sa vidéo ou bien avoir peur, commencer à couper toutes les positions en se disant là, le prix va se retourner. Mais là, c'est un compte kamikaze, on assume, on gère et on travaille sur les émotions pour ne pas être relié beaucoup plus. Même si le compte vient à partir, 300 $, c'est pas grand-chose. Donc, si j'ai pris le risque, je vois au moins 1 000 $, ça va être un bon profit. Donc, comme ça, je vais le faire monter de cette façon. Là, donc, je vous explique ces opportunités. Là, vous voyez la façon dont j'ai pris ces trades, pourquoi je suis en train de suivre. Là, vous voyez, je vous montre aussi comment je suis en train de gérer ce compte. Là, vous voyez, au fur et à mesure, je coupe, j'ajoute, je coupe, j'ajoute, je coupe, j'ajoute. Et comme ça a monté mon capital. Et ce qui fait dire que même si le compte venait à retourner, je vais me retrouver à couper en profit. N'est-ce pas? Je vais me retrouver à couper en profit. Parce que là, comme j'ai dit, j'ai commencé il y a 1 heure, 8 heures. Maintenant, on est 9h49, bientôt 10 heures. Donc, dans 2 heures, je vais gagner combien? C'est combien? 420 $. Pour dire 200 quelque chose, 200 $ à l'heure. Et là, donc, on est à ça. Je continue alors de trader comme ça, d'ajouter des positions au fur et à mesure. Et ce que je disais aussi, c'est que ces opportunités que vous prenez, vous ne les prenez pas avec n'importe quelle. Vous n'allez pas prendre ces positions de cette façon sur n'importe quelle opportunité. Il y a des opportunités exactes que vous devez chercher qui vont avec des opportunités pour faire du kamikaze. Parce que ce n'est pas toute opportunité, vous allez faire du kamikaze. Il y a des opportunités à forte probabilité où vous pouvez vous permettre à faire du kamikaze et d'autres opportunités où vous pouvez trader sur le compte conservatif. Pour ces opportunités à forte probabilité, pardon, vous pouvez les utiliser pour trader sur un compte kamikaze ou bien sur un compte conservatif. Les autres opportunités où il n'y a pas de forte probabilité, vous pouvez aussi les utiliser sur un compte conservatif parce que là, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Mais tandis que ici, sur le compte conservatif, on va prendre des opportunités où
on va prendre beaucoup, beaucoup de risques. Donc là, ça demande une bonne gestion et une opportunité à forte probabilité. Là, comme je disais, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ma façon de gérer les trades. Je suis vraiment un bon gestionnaire de risques, ce qui me permet de faire ce genre d'exploit sur des comptes conservatifs. Je vais gérer bien mes positions. Sur le compte Kamikaze aussi, je vais pouvoir bien gérer mes positions. Donc là, on voit ça encore spiké. Il est maintenant 670 au lieu d'être à 700. Mais donc, on va continuer à gérer le compte petit à petit au fur et à mesure. Donc là, on attend. On va rester patient et attendre de voir comment ça va avancer. Et au fur et à mesure, là, il faut rester devant le graphique parce que là, vous voyez, il y a beaucoup de risques à gérer. Et ça demande donc de bien gérer ses émotions parce que quand le prix se retourne, on doit être spontané sur la décision qu'on doit prendre. On doit être spontané, directement savoir, tout doit être préparé, vous devez savoir tout ce que vous allez faire sur le graphique pour vous en sortir. Donc là, si je vois un spike, je vais savoir ce que je vais faire, ou bien, ok, si je vois son marché, il n'y a pas de forte probabilité, je tourne sur une autre opportunité que j'ai et je commence à profiter de cette opportunité, je récupère l'argent que je venais de perdre si le marché venait à se retourner sur l'autre actif là. Donc ainsi de suite. Là, je vous donne un aperçu. Je pense que ces informations vous donnent que je viens d'expliquer dans cette vidéo et là, le live que je viens de vous faire là. Comme je disais là, vous voyez, c'est un bel et bien compte réel. Donc ici, ça vous donne une façon dont la gestion du compte Kamikaze se passe. Vous voyez que vraiment, ça demande beaucoup de gestion et être fort mentalement sur le fait de ne pas paniquer ou bien être touché par le fait de voir, tu viens de perdre 50 dollars comme ça dans une minute. Là, vous voyez, dans quelques minutes, là, le compte a passé de 700 à 650. Dans 3 minutes comme ça. Donc, tu perds 50 dollars dans 3 minutes. Là, vraiment, ça demande beaucoup de gestion et être fort mentalement et psychologique. Donc, avoir vraiment travaillé bien la psychologie du trader. Donc, pour savoir comment gérer ton compte aussi ou bien savoir comment tu vas trader ces opportunités, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram. Je vais laisser le lien du groupe là en bas de cette vidéo. Je vais laisser le lien pour voir mon site, les services que je propose. Je vais laisser ce lien aussi en bas de cette vidéo dans la description. Comme ça, tu vas pouvoir rejoindre mon groupe Telegram. Si tu veux rejoindre mes groupes où je partage les signaux, vous allez pouvoir rejoindre. Donc là, comme ça, ici, on va, comme je disais, vous allez pouvoir rejoindre le groupe, me contacter sur WhatsApp. Je vais me laisser les liens sur Telegram. Je vais laisser les liens en bas de la vidéo dans la description. Et si vous voulez aussi apprendre comment faire ça, comment trouver ces opportunités pour faire des kamikazes, comment trouver des opportunités pour trader sur votre compte conservatif, si vous voulez vous rassurer au moins, ça dépend des objectifs que chacun a. Mais peu importe avec le capital qu'il a, si tu as un compte de 100 dollars, tu peux faire ce genre d'exploit. Mais là, dans la formation, on travaille sur la façon dont tu gères ces risques-là, comment tu vas gérer les positions et tout. On voit le prix vient de revenir à 612. Comme j'ai dit, je vais vous mettre l'image fin de la vidéo pour voir des 1000 là. Attends, je vais couper quelques positions ici et ajouter d'autres positions pour augmenter le compte là. Ok, c'est 487. Je vais le faire jusqu'à 300, à 500. Ok, je coupe cette position. Ok, maintenant on est à 510 coupé. Là, je vais ajouter d'autres positions sur Crash 300. Ok, un buy de 0,5. Et un autre bail de 0,5. Deux fois c'est un. Ok, parfait. Là, c'est bien. Donc là, je vais attendre et continuer à gérer le compte comme ça. Vous voyez, ça demande beaucoup de gestion et être sûr de la stratégie que vous utilisez. Donc, c'était ces informations que je voulais vous partager. J'espère que ça va vous être utile. Si vous êtes trader, cette façon de trader, je le conseille pas si vous n'avez pas vraiment de l'expérience
ou bien si vous n'êtes pas sûr d'avoir toutes les informations nécessaires pour faire ça. Je sais que ça va pousser beaucoup à vouloir refaire ça, mais si vraiment vous savez que vous n'êtes pas capable même de faire monter un compte de 150, n'essayez pas. Sûrement que vous allez vous retrouver à cramer votre compte, n'est-ce pas? Vous allez vous retrouver à cramer votre compte et ce qui ne va pas être une bonne chose. Donc vraiment, je vous demande de ne pas essayer ça chez vous si vous n'avez pas les bonnes informations. Si vous voulez avoir les informations, contactez-moi et je vais pouvoir vous accompagner. Alors la Merci. famille, nous voilà. Et comme promis, je vous ai dit que là, après quelques minutes, je vais continuer à gérer le compte et voir si je vais atteindre 1 000 $. Donc nous voilà, après quelques minutes là, on est à 990 $, la famille. À 990 $. Là, on voit, il y a un peu de rouge sur Boomi parce que Boomi l'a compressé ici. Compressé. Et là, vous voyez, il a commencé à monter et j'ai coupé toutes les positions. Sur la vidéo, on était à 700 $. Il y avait beaucoup de positions ici. J'ai coupé toutes les positions en positif comme le Boomi commençait à spiker là. Et j'ai gardé juste les positions en bas et j'ai migré sur Boom 300 où j'ai commencé à ajouter aussi des positions avec une autre opportunité que j'ai eue ici. Et nous voilà maintenant à 990 $. On va atteindre ensemble. Là, on va voir comment on va atteindre les 1 000 $. Ok, on attend. Là, on voit aussi, je profite de vous montrer Crash 300. Vous voyez que Crash 300 a fortement continué à monter. Là, il a continué à monter. Comme ça m'a permis d'encaisser pas mal de trades et ajouter d'autres positions. Là, on vient d'atteindre les 1 000 $, la famille. 1 000 $ atteint pour dire 700 $ dans 2 h 34 minutes. 700 $ dans 2 h 34 minutes, la famille. J'ai commencé 8 heures. Là, maintenant, on est 10 h 35. Donc, on vient d'atteindre 1 010 $. Là, vous voyez que j'ai pu ajouter d'autres positions. Ça, c'est des nouvelles positions sur Crash 1000. Et toujours sur le compte réel. Toujours sur le compte réel. Et donc, pour vous montrer vraiment la connaissance et comment la connaissance est importante, comment avoir de l'expérience est important dans le trading, pour gérer ce compte. Là, quand j'étais sur la vidéo, le compte passait de 700 à 600, 700 à 600. Ça spikait. Mais là, vous voyez qu'on vient de pouvoir bien gérer le compte jusqu'à 1 020 $, soit 350 $ l'heure. 350 $ l'heure, la famille. Donc là, vraiment, je suis très content. Et c'était donc pour vous partager ces informations-là. C'était pour vous partager ces informations-là. Et donc, et vous donner comme conseil, si vous voulez essayer ce genre de challenge, vraiment, ne laissez pas si vous n'avez pas vraiment de l'expérience. Le secret pour pouvoir le faire. Et quelles sont les opportunités qu'on prend pour pouvoir se donner ce genre d'objectif, se donner ce genre de challenge. Parce qu'on ne le fait pas n'importe comment. On ne le fait pas sur n'importe quelle opportunité. Et savoir donc ces opportunités-là, comment vous allez rentrer sur les trades, comment vous allez commencer à gérer. Parce que quand je commence à trader sur 300, je ne trade pas comme maintenant j'ai 700. Je ne vais pas trader de la même façon. Je vais avancer petit à petit, petit à petit, jusqu'à augmenter alors les lots, jusqu'à augmenter les lots et les positions aussi. Donc là, je vais continuer à gérer un peu là, je vais attendre, pardon, 1 000 $ et je vais commencer à couper tout simplement mes positions. Là, je commence à couper les positions là. Et c'est bien aussi de le faire sur PC. Là, je vais le faire directement sur PC. Comme ça, sur PC, les positions, on peut couper les positions automatiquement en masse. Et couper, même si c'est 30 positions ou 50 positions, vous les coupez en masse. Les positions vont se clôturer directement en même temps. En 1 seconde ou 2 secondes, vous terminez à couper toutes les positions. Donc là, je vais passer sur mon ordi pour couper les positions. Et donc, c'était pour vous partager ces informations et vous montrer à quel point le trading est vraiment un business très très juteux. Et là, je viens de me faire 700 $ dans 2 h 37 minutes, ce qui veut dire 350 $ l'heure. Et si je peux le faire, vous pouvez le faire parce que moi aussi j'ai été à votre niveau là où vous étiez. Si vous n'avez pas la connaissance, moi aussi j'ai commencé comme ça. J'ai fait des erreurs, j'ai fait beaucoup d'échecs, mais j'ai appris de mes erreurs
et ce qui fait que j'arrive maintenant à ce niveau. Donc, c'était Michael Stan, la rentabilité pour tous, envahissons le marché ensemble. Allez, peace!